C'est une petite mer à l'est de la rade de l'Orient dans le Morbihan. À l'abri derrière un cordon dunaire de 5 km, protégée des caprices de l'Atlantique, cette belle lagune peu profonde s'étend sur 350 hectares. L'entrée en est étroite, un goulet de 300 mètres à peine entre les villages de Gavre et Port-Louis. Les gens d'ici vivent au rythme des marées qui font de la petite mer de Gavre un lieu parfait pour une occupation qui n'a pas d'âge, la pêche à pied. De façon, hein. Vous avez une façon qui est de poser comme ça, comme au jardin. Au jardin. Mais bon, ben, c'est pas tellement pratique, on n'a pas tellement de force. Alors il y a l'autre façon, et cette façon c'est de passer l'outil entre les jambes, le reprendre par derrière et par devant. Et là vous avez de la force de la jambe, et vous tirez avec le cœur. Donc vous avez beaucoup plus de force. C'est aussi un signe de reconnaissance. Parce qu'il y a Carignantec que vous voyez les gens pêcher comme ça, avec cette façon de tenir l'outil. Et c'est un signe de... Si vous êtes sur un autre site de pêche, quand on voit un pêcheur pêcher comme ça, on se dit qu'il y a un collègue de Carignantec qui est pas loin. Non. Je suis toujours la première arrivée et toujours la dernière à partir. En été, on cherche dans les trous d'eau, on va de l'autre côté là-bas. Et on marche beaucoup, c'est ça surtout. On marche beaucoup. Alors, vous voulez voir quoi? La belle que j'ai pêchée? Parce que les autres, elles sont pas... C'est obligé, hein. Ça c'est du boucau. Ouais, ça c'est pas la crevette, ça c'est la crevette de sable. C'est pas bon ça, moi j'aime pas trop ça. Et c'est le reste c'est de la crevette. Ah les autres, toi pas bonne. Ça c'est du boucau ça. Ah ouais le reste c'est la bonne hein. Mais c'est plutôt quand même la mer de Gavre, c'est plutôt un endroit à crevettes ou pas trop? Il y a toujours eu des crevettes tout le temps ici, tout le temps. Et en fait vous y allez depuis Étant gamin, j'allais de temps en temps, j'avais un oncle qui adorait ça. C'était un gars de Port-Louis, donc à Port-Louis, les Port-Louisiens aimaient toujours beaucoup aller à la crevette. Faut dire aussi que là-bas, elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus belle, quoi. C'est la crevette de roche, c'est du bouquet, quoi. Puis j'aimais bien, je suis allé quelques fois avec lui, et finalement, j'ai recommencé à aller il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, je travaillais en laboratoire photo. Je faisais les 3-8. Et puis l'après-midi, pour passer le temps, bon, j'allais à la côte. J'ai recommencé à aller à la côte. Puis un jour, je suis tombé sur un gars que j'ai vu tout à l'heure, là, Gérard, un gars de mon quartier. Il me dit, tiens Bertrand, tu vas aux crevettes? Je dis, ouais. Il me dit, va là-bas, il y a un trou là-bas qui est vachement bien. Mon grand-père allait. Il y a une vingtaine d'années de ça. Je l'ai revu tout à l'heure, je lui en ai parlé encore. Et puis... Je suis arrivé dans le trou là, mais il y en avait partout. Et j'ai pris le virus quoi. Ici, en petite mer de Gavre, on pêche à pied toute l'année, depuis des années, qui finissent par faire des siècles. Ici, on va à la côte pour amener des bigorneaux, des rigados, des crevettes, des moules, des huîtres et des palourdes. Du temps où la pêche à la sardine occupait les équipages de plus d'une centaine de chaloupes sur Riantec, les femmes allaient gratter les grèves
et le tout faisait vivre les familles. Ici, en petite mer de Gavre, on pêche à pied de tout un peu, voire même beaucoup à en croire certains. Bertrand Le Floch, un enfant du pays, pêcheur à pied et photographe. C'est vrai que les gens ne parlent pas souvent de ça, mais vous allez pourquoi à la palourde? Bon, d'abord les gens à la palourde, parce que la palourde, c'était l'or bleu, quoi, hein, comme disait mon père. C'était l'or bleu, enfin, comme dit mon père. Parce que c'était vendu beaucoup plus cher à ce moment-là. Il faut pas rêver, hein, quand on a la marée, c'était pour vendre. Pas beaucoup de gens, que ce soit des femmes ou des hommes, ne veulent pas beaucoup qu'on parle de ça, quoi. J'ai commencé à faire pas mal de photos à partir de 78, 79, 80. J'ai commencé à photographier les gens à la côte, aux salles, dans ces années-là, quoi. Je pense qu'avec beaucoup de regrets, j'aurais aimé faire beaucoup, beaucoup plus de choses, mais c'est pas facile parce que les gens ne se laissent pas facilement prendre en photo à la côte. Ça reste un milieu assez fermé quand même, très fermé même. Ici, c'est un ancien, c'est Marcel. Et Marcel, bon, il tire sur sa touline. Le morceau ici, c'est une touline, quoi, pour avoir le grappin, pour récupérer la plate. Alors, après, il montait dans ces plates-là, il était 3, 4, 5, 6, ça dépendait. Si quelqu'un arrivait et dit, tiens, tu vas à gauche, je peux aller avec toi, ben, le gars disait pas non. Hein. Il dit, ouais, viens avec moi, il y a de la place, vas-y, tu montes, et puis c'est tout, quoi. Et là, on partait. Alors, les femmes aussi, les femmes qui s'apprêtent ici à partir aussi. Les femmes faisaient beaucoup, les femmes travaillaient beaucoup à la cuillère. Celles-ci, là, par exemple, elles étaient tout le temps ensemble. C'était des amis et des copines, des sœurs, voilà. Et puis, bon, elles partaient ensemble, quoi. Mais par contre, il y a certains équipages partaient avec soit des femmes et des hommes. Ils étaient mélangés. Voilà, ils s'apprêtent. Là, ils sont prêts à partir, quoi. Et là, c'est parti. Route Gavre. Si l'on a la chance de posséder une plate, la traversée de la petite mer ajoute au plaisir de la partie de pêche. Depuis qu'il est en retraite, Guy Massaro est devenu pêcheur à pied invétéré et même président de l'association des pêcheurs à pied. C'est pas parce qu'il y a des grandes marées que vous pêcherez plus. Parce que il y a tellement de monde aux grandes marées que, bien sûr, vous pêcherez peut-être moins. Il y a aussi le fait qu'on se revoit tous ensemble, on discute, on perd du temps. Non, puis il y a aussi le fait de rencontrer des gens. Tout à fait différents. Ça va aux personnes, enfin, des retraités, des actifs, des chômeurs, des gens qu'on a besoin, mais des gens aussi qui viennent par plaisir. Ça va ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais vous avez touché un peu ? Ça va ? Dans cette petite mer de Gavre, les oublis, les ennuis, pardon, vous les laissez au-dessus, là, au-dessus de l'estran. Et tant que vous y êtes, bah c'est gratter, c'est trouver une palourde, trouver deux palourdes. Et puis, bon, bah les ennuis, vous les retrouvez en revenant, c'est tout. C'est ça le loisir. Enfin, à mon avis. Maintenant, il y a plusieurs. Je sais pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la pêche à pied. Bon, ça se pratique pas qu'avec le croc, hein. Vous avez la cuillère. Bon, c'est aussi un plaisir. Encore. Je dirais même plus fort que de chercher au croc. C'est plus... Vous savez, chercher à la cuillère. La personne qui cherche à la cuillère, c'est un peu le summum de la pêche à pied. Beaucoup de gens restent des heures à vous regarder pêcher à pied, avec une cuillère. Et vous demandent, et sont émerveillés de voir des gens qui trouvent des coquillages en voyant les petites marques. Simplement les petites marques faites par les coquillages. Moi j'appelle ça quand il y a des beaux trous, quand ça marque vraiment bien. Mais vous savez, des gros trous, hein. Il faut être aveugle pour pas les voir. Alors je dis c'est des yeux défrontés.
Nicole Lancelot a appris à marcher et à pêcher en même temps. La mer de Gavre, c'est toute sa vie. Son coin, c'est plutôt l'île aux Pins, vers le fond de la petite mer. C'est une cuillère spéciale que vous avez là ? C'est tout simplement une cuillère en argent. Ah, en argent ? Oui, parce que les autres, ben, ça casse, hein, elle casse. Si vous prenez une en alu, vous allez creuser deux fois, mais vous n'avez plus de cuillère. Et puis là, bon, ben, on l'enroule. Normalement, mon mari aurait dû mettre un morceau de bois derrière, hein, pour bien la tenir. Elle a toujours nourri les gens ici. Cette petite mère, elle a empêché des gens de mourir de faim. Et même encore à l'heure actuelle, vous voyez tous les chômeurs, ceux qui ont des petites retraites et tout ça. Faut pas... Moi, je viens par plaisir. C'est de venir ici, c'est... À chaque fois, c'est comme une renaissance pour moi. Quand je viens ici, et quand on me parle de la petite mère, je ne peux pas vous exprimer. C'est de l'amour, c'est... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. De sentir l'odeur de l'iode, de voir ce site, de voir... c'est quelque chose... Bon, on est né avec ça, je veux dire. Même si je ne viens pas à la pêche, qu'une faire une balade, eh ben, moi, j'oublie tous mes soucis. Pour moi, c'est une thérapie. Et pour beaucoup de monde, d'ailleurs. Une petite mer si prodigue de coquillages intéresse scientifiques et chercheurs. Pierre Molot, biologiste, spécialiste du plancton, nous livre une vision universelle et sa perception toute personnelle. C'est un milieu qui est très attachant, parce que si on le regarde bien, cette petite mer de Gavre, on voit toute l'origine de la vie, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire le plancton végétal, le plancton animal, et tous ces coquillages qui vivent dans le sédiment, mais aussi tous ces poissons qui seront capturés. Et là, je connais bien, mon grand-père était pêcheur à Gavre, pour lui, donc il pêchait des sardines. Et des sardines se nourrissent de quoi ? Eh bien, du zooplancton qui est produit dans la petite mer de Gavre. Et c'est pas un hasard si à Groix, il y avait aussi des thoniers. Les thoniers, les thons, sont des gros prédateurs pour les sardines, les anchois, les sprats, qui, eux, alentour, sont des prédateurs du zooplancton qui vient naître dans la petite mer de Gavre. Donc, ce sont des milieux privilégiés très importants à préserver. Parce que c'est des milieux où la productivité primaire et secondaire, comme on dit, c'est-à-dire les premières productions, sont importantes. Il n'y a jamais de gros poissons. Il n'y aura jamais de très très gros poissons, de gros homards ou de grosses crevettes dans ces petites mers. Mais on trouvera toujours des juvéniles, des alevins qui feront les poissons de demain. Donc c'est du nurserie, c'est un garde-manger, c'est essentiel à la vie. Parce que là vous êtes là depuis quand là pour... Il y a quoi? Il y a un kilo... Ouais, un kilo 5. Un kilo 5? Ouais, c'est pas bien. Et en combien de temps vous avez ramassé ça?
11h. Bon, 1h30. Bon, de toute façon, là, il y a très grande marée, donc vous allez... Ben ouais, on part peut-être demain ou après-demain, ce sera ouais. Meilleur. Bah oui. C'est pas. Ouais, tu vois, c'est un spécialiste, là. C'est toi qui vous allez voir. Là. Ah bon ? Ouais. Et bon, bah... Alors, c'est moi le spécialiste ? Ouais. C'est le menteur. Bon alors, elle est bonne la pêche ? Non, pas terrible. Ça peut être mieux demain. C'est votre coin ici ou pas ? Oui, oui. Parce que à chaque fois qu'on peut venir, on y vient. Ici, là, ouais. On se croit aussi de la mer de Gare. Ouais. Je suis bien à côté, alors je vais pas courir. Elle est belle, hein ? Ouais. Ouais. Tu l'as trouvée où ? Je l'ai trouvée là. Ouais. Alors tu sais qu'un coquillage comme ça, qui normalement vit où ? Dans la mer. Dans le sol. Ouais, dans le sol. Et qu'on trouve sur le dessus, il ne faut jamais, jamais le manger. C'est pas normal ça. C'est pas normal qu'on le trouve au-dessus, il doit être en dessous. C'est qu'il a un problème, donc il faut jamais, jamais les manger, sinon on risque d'être malade. Les leçons de choses ressemblent parfois à des journées un peu buissonnières au bord de la mer. La maison de l'île de Kerner propose des sorties découvertes de l'écosystème à tous ceux qui savent regarder dans les flaques et sous les cailloux. Aujourd'hui, les enfants d'Etel suivent ou précèdent Françoise Gobaille et Renan Levu, les animateurs. C'est gros, c'est mou. C'est une éponge, c'est une éponge. C'est une éponge ça ? Oui, parce qu'on peut faire avec l'eau. Lorsque ça lance de l'eau, lorsqu'on met dans l'eau, et ben ça se remplit parce que moi j'en ai eu chez moi, alors je sais comment ça marche. En fait, exactement, c'est une éponge. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des éponges dans la mer ici ? Oui. Non. C'est bizarre. Ah non, 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 ce sont des éponges vivantes. Bah ouais. Et une éponge, c'est une plante ou c'est un animal ? Alors, eh bien l'éponge, c'est un animal. Ouais. Oui. Regardez la dame, tout ce qu'elle a trouvé comme bobigorno. Oh, il y a des. Oh, il n'y a plus grand chose, hein. C'est pas comme dans le temps. Ah oui. Il y a tellement de monde qui vient, hein, vous pensez. Oui. Il y a des rigados dedans. Cherchez pas. Non, 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 on n'a pas de rigado. Non, une pas lourde. Pas lourde. C'est un rigado. Ah, un rigado. Mais beaucoup de bigorno, puis ils sont beaux les bigorno ici. Regardez comme ils sont gros. Et alors ce soir, vous allez manger vos bigorneaux ? Ah non, j'allais mettre à dégorger jusqu'à demain. Plusieurs fois, puis comme ça. Demain, ben, on les mangera. Voilà. Puis quand j'ai trop, ben, je donne aux enfants, puis voilà. Tu n'as pas de jatte, Francis ? Tu n'as pas de japonaise ? Je vais le voir, il n'en a pas. Voilà. On peut en récupérer une ou deux, si vous voulez. Alors votre préférence, vous, elle va pour laquelle ? Ah ben, la reine de la palourde indigène, la palourde de Riantec. Ça, c'est une bonne taille de palourde ou pas ? C'est gros comme palourde. C'est de la grosse palourde qui se fait très bien en palourde farcie avec un beurre d'escargot ou qui est délicieuse, ou qui se mange au couteau avec du pain et du beurre, un peu de muscadet, avec modération, et qui fait le régal de pas mal de gens, y compris, bien sûr, les pêcheurs à pied. Demain matin, je m'achète un croc, un seau, un filet. Oui. Et je viens ici et je pêche tous les matins. C'est possible, ça ? Alors, non. Vous allez vous retrouver dans un problème de législation et de réglementation qui régit la pêche à pied dans la petite mer de Gave. Je dis bien dans la petite mer de Gave. Résumons les épisodes. Juin 90, un arrêté préfectoral interdit la pêche à pied pour raisons sanitaires. En octobre de la même année, face aux protestations des pêcheurs, une dérogation réautorise la pêche à la condition que les coquillages soient destinés à la vente et non à la consommation personnelle. Parce que qui dit vente dit passage obligatoire par les bassins de filtrage et donc traçabilité. Mais depuis 10 ans, aucune étude nouvelle n'a été faite sur cette petite mer. La dérogation court toujours. Ben oui, j'ai une autorisation, alors... Allez-y. Voilà. Si on a l'autorisation, c'est qu'ils sont bons, hein. Trop bas, trop bas.
j'aurais pas l'autorisation, je viendrais pas. Hein. Parce que tu vas pas avoir une amende, hein, parce que les amendes ne sont pas données. Hein. D'abord, ils ne laisseraient pas pêcher, alors. Hein. Formidable. Sauf que cette autorisation n'est valable que 10 jours par mois en fonction des grandes marées. Sauf le week-end, les jours fériés et le week-end. Pourquoi ? Parce que l'administration ne travaille pas le week-end et les jours fériés. Oui, mais alors, si notre petit bonheur à nous, c'est la pêche à pied de loisirs, avec épuisette et casse-croûte, est-ce qu'on peut venir quand même ? Il est possible de pêcher en pêche de loisirs dans les zones B. Mais ce n'est pas le cas de la petite mer de Gave. Parce que la petite mer de Gave n'est pas classée. Bon, en attendant de savoir si la petite mer est classée en A, en B, si le taux de microbes gâte ou pas les coquillages, Bertrand chasse la crevette dans des coins connus de lui seul. Et moi je fais attention, hein, toujours rejeter tous les petits poissons, tout, je rejette tout, je trie directement ici, sur place. Tu vois ? En été, à chaque coup comme ça, t'as deux, trois poignées à chaque fois. Allez, zou, on est parti. C'est un petit bijou, toute cette petite mer. Il faut surtout la respecter. Il faut à tout prix que les gens prennent conscience que c'est un beau bijou et qu'il faut le garder, quoi. Quant à Nicole, elle continuera d'arpenter des heures et des heures durant les rivages de cette petite mer presque intérieure, avec cependant une petite inquiétude au cœur. Et peut-être qu'un jour, on va nous interdire définitivement. C'est ça ma grande peur. Si jamais ça fermait, je vous assure que ça ferait du bruit. Guy Massaro, président pour longtemps de l'association des 982 pêcheurs à pied, n'a qu'une seule vraie revendication claire. Il faut que le domaine public de la petite mer de Gave, le DPM de la petite mer de Gave, soit imprescriptible et inaliénable. Les mots barbares, mais c'est comme ça. Pierre Molot continuera de percer les mystères du plancton, attentif à d'éventuelles évolutions qui mettraient la petite mer en danger. Oui, elle peut être en danger, ne serait-ce que par les bassins versants. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure que la richesse des océans était aussi le mélange des eaux douces et des eaux salées, qui font une alchimie complexe, qui font que le plancton va pouvoir se développer. Mais si à un moment donné, cette alchimie est perturbée par des éléments, des polluants qui arrivent de la Terre, hein, ou des villes, et ben à ce moment-là, il y aura une perturbation. Il faut savoir que ce plancton-là est très fragile, il ne mesure que quelques dizaines de microns. Quelques dizaines de microns, on comprend bien sa fragilité. C'est peut-être parce que la mer est trop vaste que l'on dit qu'elle appartient à tout le monde, c'est-à-dire à personne. Mais s'il s'agit d'un morceau de mer que l'on peut presque embrasser d'un seul coup d'œil et dont l'on finit par connaître les limites et les secrets, alors la tentation est grande de se l'approprier, comme une histoire d'amour et de rigado.